Ça a commencé d'abord par avec les grands-parents à Guétari, après la Seconde Guerre mondiale, d'abord créer une pension de famille, une alimentation sur Guétari. Et puis après, notre papa Philippe, Aïta et notre oncle Martin ont pris la suite avant de venir s'installer ici maintenant, là où on est, à la table des frères Ibarbourg. Alors mon frère est revenu donc lui en 2008, moi en 2013. Et donc les parents ont su tout de suite nous laisser nous exprimer sans nous mettre de bâton dans les roues. C'était vraiment la transmission de l'entreprise, voilà. On est arrivé ici, on était petits, moi j'avais 6 ans, tu avais 2 ans. On a grandi ici, on a grandi dans cette maison, on a vu les parents évoluer. Et les parents aussi nous laissaient beaucoup faire ce qu'on voulait un peu quand on était jeunes. On vadrouillait dans le parc, on construisait des cabanes, on élevait des animaux. Mais c'est vrai, on a fait 36 000 choses ici. Et c'est pour revenir aussi sur nos femmes, c'est quand même les premiers visages qu'ont les clients quand ils arrivent chez nous. Donc elles sont très importantes pour nous au quotidien. Elles ont chacune leur rôle. Soline a son rôle en salle et en restauration. Voilà, s'occuper de l'accueil des clients, tout le rôle de la salle. Et Laetitia s'occupe de l'hôtel, donc les réservations, l'accueil de l'hôtel. Voilà. Le midi, on se retrouve, on parle de ce qui a été, ce qui a été un peu moins bien, voilà, pour nous permettre d'évoluer. Et on a besoin de ça. C'est nos piliers à nous. Elle m'apporte beaucoup et surtout beaucoup de tranquillité au quotidien, beaucoup d'apaisement, ce qui me permet de pouvoir travailler aussi de manière beaucoup plus sereine. Cette maison, pour nous, on a grandi ici et on est heureux et fiers de continuer et de la faire durer dans le temps.